Nord de Madagascar, région d'Antsiranana. Avant la saison des pluies, les paysans mettent le feu pour débroussailler leurs champs ou pour défricher une nouvelle terre. Chaque année, sur l'île, plus de 200 000 hectares de forêt partent en fumée. Une catastrophe pour la faune et pour la flore. Mais les paysans sont si pauvres qu'ils n'ont pas d'autre choix que détruire la forêt pour survivre. Bemou Parfait a été paysan avant de devenir collecteur de reptiles et d'amphibiens pour des exportateurs. Il participe actuellement à un projet pilote pour évaluer l'impact des collectes sur l'environnement. Le résultat permettra au gouvernement malgache de définir un programme de gestion de ces collectes pour préserver les espèces. Ces monstres battent leur record de l'étrangeté. Les caméléons forment une des familles les plus récentes et les plus évoluées de l'ordre des lézards. On connaît 86 espèces, dont plus de la moitié sont uniques à Madagascar. Comme tous les reptiles, les caméléons muent régulièrement durant leurs 5 à 6 années d'existence. Le déplacement hésitant du caméléon participe à son camouflage. De loin, il apparaît comme une feuille flottant au vent. Mais il se déplace plus rapidement s'il est dérangé ou s'il est attaqué. La majorité des caméléons sont arboricoles. Ils ont 5 doigts réunis par 2 et par 3 pour former une pince. Leur queue est préhensile, ils l'utilisent comme un cinquième membre. Contrairement à ce que l'on pense, le caméléon ne change pas de couleur pour mieux se camoufler. La variation de teinte est due à ses émotions. Bemou s'est installé avec sa famille dans la région il y a 10 ans pour exercer son métier de collecteur.
Il consiste à ramasser dans la nature des reptiles pour le compte d'exportateurs spécialisés dans le commerce d'animaux pour terrarium. Aujourd'hui, il ne travaille plus directement avec les exportateurs. Dans le cadre du projet pilote, un seul collecteur par région a été désigné pour gérer les commandes. Avant une collecte, Bémou reçoit les étiquettes numérotées et certifiées conformes par le département des eaux et forêts. Sur l'étiquette est spécifié l'espèce autorisée à l'exportation, son numéro d'identification, le nom du collecteur et de l'exportateur. Seuls les reptiles munis d'étiquettes conformes pourront sortir du pays en toute légalité. Bémou sait précisément où trouver les caméléons commandés qu'il va chercher en dehors des zones protégées. Pendant 2 ans, une équipe de chercheurs évaluera les populations de reptiles avant et après son passage. Cela permettra d'établir un quota d'exportation annuel sans nuire à l'avenir des espèces. Bémou rêve de construire un parc zoologique de reptiles et d'amphibiens pour attirer les visiteurs étrangers. Il compte aussi sensibiliser les enfants des écoles alentours à la protection de la nature. Il espère ainsi pouvoir vivre de cette activité et prouver aux paysans que la faune locale peut être une source de revenus. Le message serait nouveau. Si les Malgaches trouvaient un avantage économique en ne brûlant pas la forêt et la campagne, ils deviendraient naturellement les gardiens de leur environnement. Le caméléon peut passer sa vie sur le même arbre, mais gare à l'intrus qui se risque sur son territoire. Le nouveau venu se pare de couleurs flamboyantes pour impressionner son adversaire. Le propriétaire des lieux inflige une cruelle morsure au fugitif qui a viré au noir en signe de détresse. Mais il est rare d'en arriver au corps à corps. En général, un combat de couleurs suffit à régler le litige. Le propriétaire de l'arbre voit rouge. L'autre, en signe de soumission, se met sous la branche et s'assombrit de peur. Le vainqueur gonfle la poche de son cou pour asseoir sa victoire. Vingt minutes plus tard, l'intrus, remis de ses émotions, reprend ses couleurs en battant en retraite. Chez les caméléons, les mâles ne sont pas à l'abri des sautes d'humeur des femelles, toujours récalcitrantes à leurs avances.
ces deux caméléons sont de la même espèce. Le mâle a deux cornes et la femelle a foncé pour décourager son prétendant. Mais qui ne tente rien n'a rien. L'audacieux ignore ses mises en garde. Il capitule sous la branche, mais elle veut son départ. Les amours peuvent être refusés plus gentiment, comme le montre ce couple de caméléons de Parsom, un des plus grands au monde, dépassant facilement 56 cm. Le mâle a une protubérance sur le nez. Et il possède sur la tête deux prolongements triangulaires formant un casque. Ces géants ne sont jamais agressifs, et le mâle abandonne ses ardeurs de bonne grâce. Le mâle, comme tous les lézards, possède deux hémipénis. Quand les amours se concrétisent, un seul intervient lors de la copulation. Généralement, la femelle va pondre ses œufs dans l'humus. L'incubation varie selon les espèces, de 2 mois pour le Brocchesia à 18 mois pour le caméléon de Parsom. Bémou libère provisoirement les caméléons dans les buissons autour de sa maison. Il saura les retrouver lorsqu'il aura terminé sa collecte. Mais avant de les mettre dans l'arbre, il leur donne à boire. En période sèche, ils ont besoin de se réhydrater quotidiennement. Les enfants ont très peur du spectacle, car la croyance locale veut que le caméléon porte malchance. Tous le craignent et ne le touchent jamais, il est tabou. Mais Bémou rassure les enfants. Le petit propriétaire de l'arbre ne fait pas le poids face à un intrus plus imposant. Les espèces de petite taille ont élaboré différentes techniques de survie. Se laisser tomber au sol ou se soumettre et céder le passage. Le caméléon d'Oustalet, avec ses 63 cm,
est le plus grand du monde. Outre des insectes, il avale des oisillons dans leur nid et il se montre même cannibale. Cet adulte de 3 cm a repéré le danger et bat en retraite en doublant de volume pour décourager le chasseur. Mais d'autres prédateurs guettent. Les deux yeux du caméléon sont parfaitement indépendants. Mais pour cibler une proie, il les utilise en parallèle, ce qui lui permet d'estimer précisément la distance qui le sépare de sa nourriture. En un dixième de seconde, sa langue protractile s'abat sur la victime comme une massue. L'extrémité renflée est enduite d'un liquide collant. Seule sa mâchoire supérieure possède une rangée de petites dents. Le caméléon n'est pas le seul roi du camouflage. Les uroplates savent aussi se rendre invisibles, mais pas pour l'œil exercé de Bémo.
La nuit, le caméléon perd ses couleurs et devient gris clair. Le grand maître du camouflage n'est alors plus invisible. C'est pourquoi Bémou travaille le soir. Il reconnaît facilement les espèces qu'il recherche. La variation de la couleur du caméléon est due à l'extension et la contraction de cellules appelées chromatophores. Des terminaisons nerveuses les contrôlent. Ces changements de teinte sont à la fois chimiques et physiques. Ils dépendent de l'humeur, des émotions et de l'excitation sexuelle du caméléon, ou encore du moment de la journée. À l'aube, le caméléon est foncé. Sous le soleil, il se pare de couleurs vives, et la nuit, il devient clair. Le genre Brocchesia n'existe qu'à Madagascar. Il réunit plusieurs espèces de caméléons de petite taille qui vivent dans les sous-bois. Ces petits monstres étonnants n'ont pas la queue préhensile, puisqu'ils sont peu arboricoles. Après son petit déjeuner, Bémou compte descendre à la ville côtière pour expédier par avion sa commande à la capitale. Le programme expérimental L'homme et l'environnement, auquel Bémou collabore, veut démontrer que le commerce contrôlé des reptiles et des amphibiens n'entre pas en contradiction avec une politique de protection de la nature. Créer des métiers et des projets utilisant les ressources naturelles du pays dans le cadre d'une législation précise est certainement l'une des meilleures options pour protéger l'incroyable diversité biologique de Madagascar. Ni uluma sine suvinu simba wani riyama nilani tamanga mango stina ntuni rahuna kunena ni uluma sine is
Sikem tobo wane yana.